Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Même si nous ne comprenons pas pleinement l'œuvre du Christ pour nous, si nous ne sommes pas capables d'expliquer les tenants et les aboutissants de tout ce que Jésus accomplit pour notre salut, nous pouvons accueillir par la foi les promesses de Dieu contenues dans la Bible, et celles-ci particulièrement, que nous pouvons lire au chapitre 8 d'Hébreu un passage que l'auteur cite du chapitre 31 du prophète Jérémie. Les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Pour notre salut, Dieu nous propose de nous transformer de l'intérieur, de changer nos cœurs, c'est-à-dire nos êtres profonds. Je vous cite de nouveau le prophète Jérémie au chapitre 29, où Dieu nous révèle sa volonté et son amour pour nous. Je connais les plans que je prépare à votre intention, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Dieu veut nous donner un avenir plein d'espérance et une espérance solide dans l'avenir. Pour cela, la principale promesse de Dieu n'est pas de transformer le monde, de détruire ce que nous considérons comme le méritant, mais de transformer nos cœurs, de détruire en nous ce qu'il sait être contraire à la vie et à l'amour. La principale promesse de Dieu est de nous donner le cœur de Jésus, la foi de Jésus, l'obéissance de Jésus, l'amour de Jésus. Chers amis, je vous laisse avec la fin de la citation du prophète Jérémie qui conclut le chapitre 8 de la lettre aux Hébreux et annonce la finalité de cette œuvre du salut que Dieu accomplit en nous par Jésus-Christ. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Car je leur ferai grâce de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Que Dieu vous bénisse.